Hey yo tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part, je vais très bien, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre aventure suivie de Clash of Clans. Donc, comme vous pouvez le constater, mon village a changé. Donc, j'ai fait un village assez particulier parce que moi, les trophées, ça m'intéresse pas, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est surtout farming à fond. Donc, j'ai fait un petit village farming. Donc, mon hôtel de vie, franchement, je laisse à l'extérieur parce que les trophées... je m'en fous. Comme ça, les gens qui veulent m'attaquer, ils s'en prendront directement à mon tas de ville. Et mes ressources, eh ben, ils vont les oublier directement. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va dire un petit coucou à YouTube. Dites un petit coucou à YouTube. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir d'être dans mon clan, en tout cas. Parce que moi... ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Par contre, il y en a des fois, ils viennent foutre un peu la ziza dans le clan. Mais bon, ça, c'est, il y en aura toujours. Donc, les gens comme ça, ça m'intéresse pas. Donc, coucou YouTube, abonnez-vous à Prisix, les vidéos sont trop cool. Merci à toi, Paul, les légendes. Coucou YouTube, ça me fait vraiment plaisir vos commentaires. Venez dans le clan, coucou YouTube, coucou les gens. Voilà. Donc bah dédicace à vous tous, Marcus, AKX Sony, désolé si j'écorche un peu ton nom. Naruto, Marcus, Légende et tout, je vais en descendre un peu plus bas pour voir s'il n'y a pas des gens. Bon, comme vous pouvez le constater, il y en a qui quittent le clan, il y en a qui viennent, il y en a qui se barrent. Donc ça après, c'est pas très grave, hein. Ils font ce qu'ils veulent, moi j'oblige personne à rester en tout cas. Donc bonjour, voilà. Donc tout le monde n'est pas co, aujourd'hui tout le monde n'est pas connecté, bon c'est pas très grave. Donc on va ramasser les pièces tout de suite. Bon, ce qu'on va faire, venez, super, merci à toi les légendes. Donc, en ce moment, je suis en train d'améliorer ça, ma mine d'or niveau 8. Par contre, j'ai un nouveau truc dans le magasin de décoration. C'est quoi? Oh, ça, je m'en fous un petit peu. Donc, je vais, parce que là, je suis un peu perdu, je sais même plus où j'en suis. Donc, je vais former déjà des troupes en priorité. Donc, former, on va faire quoi? On va faire 6 sapeurs, 6 géants, voilà. Comme ça, on est bien. Ensuite, pour ça, on va faire... on va faire full barbare. On va faire un petit full barbare. Comme ceci. Et puis, c'est tout ce qui reste. Ouais, pour l'instant. Et on va créer... Bah, vu que j'ai que ça, pour l'instant, voilà, créer une usine de ça. Donc, j'ai tout mis. J'ai vraiment tout mis. Donc, il manque plus. Donc là, il va falloir que je réaméliore tout. Donc on va mine 4, donc mes mines sont combien? Donc 8, 9, on va finir d'améliorer tout ça dans 2 heures. Donc ça va aller vite, dans 2 heures c'est fini. J'ai amélioré mon camp militaire niveau 5 parce que les autres sont encore niveau 4. Donc après il va falloir que j'améliore toutes les bombes, les petites bombes aériennes. Donc on est bien. Donc voilà, venez, merci. Donc on va demander des troupes. Envoyer, demande de troupes. Alors, il me reste combien? Il me reste un ouvrier, je suis en train d'améliorer ma mine d'or. Je suis en train d'améliorer ma mine d'or niveau 8, niveau 9. Je suis en train de faire mes petits soldats. Et puis, ben, on va... Niveau 9. Comme vous pouvez le constater, regardez. On est en train de les fusiller. Prisix Grim 89 et Ya je sais pas quoi, 25. Donc, on est en train de les violenter. Donc je sais pas si je peux rader un ralenti à moi. Votre clan, je sais vraiment pas si je peux rader mon ralenti. Je sais plus du tout. Je suis où moi? Je sais même plus où je suis. Je crois que je suis un peu plus haut. Voilà, prise X, explorer. Non, je peux pas voir les ralentis. Quoique, j'ai jamais l'occasion de donner des troupes. je t'en prie. Donc je sais pas si c'était moi, si explorer, attaquer. Ralenti, voilà. Mon premier ralenti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, j'ai fait deux attaques que j'ai fait 6 étoiles, 3 et 3. Donc j'ai balancé mes géants directement ici, avec un sort de soin. J'ai lancé mes sorciers, ensuite j'ai lancé mes soigneuses, plus mes bombes. Et j'ai envoyé mes barbares, mon géant, mon roi des barbares, pardon. Et franchement, c'était assez easy. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà, après... hop. Voilà, donc je l'ai assez fusillé quand même. Donc je crois que j'y me restait plus longtemps avant que je termine le truc. Je sais plus ce qu'il me restait exactement.
Voilà. Donc c'est mon petit ralenti de map. Ça c'est ma première attaque il me semble, ou ma deuxième, je sais plus exactement. Donc voilà, lui ils sont partis là-bas, il y avait des casernes ici, il en a resté une en bas. Il restait 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boum. Voilà, j'ai vraiment eu chaud, j'ai vraiment eu chaud. Et puis je me suis dit ça passe pas, et si c'est passé, je suis vraiment content. Donc voilà. Donc après ma deuxième attaque c'était quoi? C'était pas ça, ça c'est Prixy, une étoile. T'aurais pu un peu mieux faire quand même. Donc ici 3 étoiles, ça a été Prixy, là ça a été parfait. Premier clan, tu l'as défoncé. Ensuite là c'était Arc Sony, désolé si j'ai encore ton nom. Encore pareil, 3 étoiles. Là ça a été Rems. Là ça a été Raps Fry. Là et là c'est moi il me semble. Je sais pas si c'était celui-là. Non. Je sais plus si c'était celui-là que j'ai dû montrer un instant. Ouais, je viens de montrer celui-là. Donc après j'ai fait ça là, normalement je vous montre le ralenti vite fait. Je vais accélérer parce qu'on va pas traîner sur les ralentis tout de suite. Donc voilà, c'était une petite base assez facile pour moi, franchement. Donc voilà. Je lance toujours mes sapeurs en dernier, enfin dernier dans les milieux. Comme ça ils sont pas défoncés, ils sont pas focus directement. Et puis bah regardez-moi le carnage, tout simplement. Voilà. C'est joli hein. Voilà. Ça bug un peu là. Oulala, oui ça bug un petit peu. Donc excusez-moi si ça lag un peu. Donc voilà, fini, torché, réglé. Voilà. Donc, on va retourner dans mon petit village qui est assez un peu pourri pour le moment, mais bon. Moi je suis patient, j'espère que vous êtes patient aussi. Moi je prends mon temps, franchement, il n'y a pas de soucis sur ça. Donc, MDR, pour Prixy spécial vidéo. Vas-y, on va regarder ça tout de suite, Marcus, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, petit village assez sympathique, j'avoue. T'as envoyé tes barbares ici avec tes archers. Ouais, ça va. Soigneuse, ouais ça passe facile, j'espère que t'as fait. Je vais accélérer un petit peu par contre. 2 étoiles. 2 fois pardon. J'espère que tu vas faire. Ouais tu l'as défoncé. C'est nickel. Théoriquement tu l'as torché. Bah tu l'as fini. Non franchement je suis content, il y a des assez bons joueurs dans le clan, il y en a qui râlent un peu, il y en a qui font chier le monde, qui viennent, qui partent, bon après ça il y en aura toujours. Donc moi spécialement j'avais un truc à vous dire, ceux qui sont pas contents d'être dans mon clan, je vous oblige pas à venir, je vous oblige pas à regarder mes vidéos. Ceux qui sont contents de venir dans mon clan, bah ils sont accueillis, la porte est ouverte, il n'y a pas de soucis. Par contre quand c'est plein, bah désolé mais je peux pas vous inviter, faudrait qu'il y en a qui partent, faudrait que vous campez devant le clan, mais bon après je sais pas si ça vous intéresse. Après quand il y a de la place, venez, il n'y a pas de soucis. Par contre je veux pas que chaque fois vous venez, vous me demandez adjoint ou étrenné, j'espère que vous le comprenez ça, je peux pas vous mettre tous adjoints, tous aînés. Il y en a 3, 4 maxi, après le reste, désolé, mais... Et ça se mérite beaucoup d'être aîné ou adjoint, je peux pas foutre aîné, si vous donnez pas de troupes ou quoi que ce soit, moi je peux pas vous garder. Et par contre aussi, si vous êtes inactif dans le clan, ou vous donnez pas de troupes, en tout cas GG à toi Marcus au passage, t'as fait une belle attaque. Si vous donnez pas de troupes, ou que vous, vous n'êtes pas actif dans le clan, je serai obligé de vous kick, malheureusement c'est dommage parce que vous voulez venir dans le clan mais moi je peux pas vous forcer à rester, enfin à jouer ou quoi que ce soit. Donc après moi j'ai créé ce clan pour ceux qui veulent jouer avec moi, pour ceux qui sont actifs, pour ceux qui jouent à Clash of Clans. Je ne demande pas à venir pour squatter pendant des troupes et en échange vous donnez rien. Non, avec moi ça marche pas ça, désolé. Donc si vous voulez venir, donnez du vôtre, donnez des troupes, soyez actifs un minimum au moins pendant les GDC, parce qu'il y en a en GDC ils attaquent pas du tout. Ils attaquent vraiment pas. Donc on va pas. Je vais vous montrer encore une attaque. Bon. Ça c'est une défense. Bon une défense. On va voir la défense maintenant. On va avoir une belle défense. On va finir avec ça et après on va. Bon, ça c'est le village à Paul. Voilà. Donc ta défense. Ça peut aller.
ça peut aller. Après, franchement, je vous conseille aussi, si vous voulez, je vous oblige pas, vous pouvez faire les mêmes villages que moi. Au contraire, ça me ferait vraiment plaisir, au moins je vois qu'il y en a qui sont... Voilà quoi, ça me dérangerait pas si vous faites le même village que moi, franchement non, ça me dérangerait pas. Donc vous êtes le bienvenu à le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci sur ça. Ouais, il t'a bien défoncé quand même. Ouais, il t'a bien torché Paul. Bon, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, des fois je me connecte, je suis défoncé, mon village est rasé à net. Donc c'est pas très grave. Bon. Il me restait quoi? Il me restait un ouvrier à mettre, donc l'ouvrier je vais le foutre. Là c'est quoi, mine d'or? On va le foutre encore dans une mine d'or. Donc améliorer dans deux jours. Donc vous voyez pourquoi je peux pas. Il y a des vidéos que je peux pas mettre toutes les semaines. Vous voyez comment c'est long maintenant, c'est deux jours. Donc avant de taper là c'est la première phase. Avant de taper la deuxième phase de la vidéo, il faut que j'attende deux jours pour pouvoir vous remettre des trucs ensemble, pour voir ce qui a évolué. Si je peux pas vous mettre des vidéos comme ça toutes les semaines, c'est pas possible. Donc au fur et à mesure, ça va vraiment mettre du temps à mettre des vidéos sur YouTube. Entre temps, je vous ferai d'autres vidéos. Il y a une vidéo qui est prévue dans pas longtemps. C'est une vidéo que j'ai fait sur mon jeu favori World of Warcraft. Je sais pas si vous connaissez. Ça vous permettra de voir. C'est sur la nouvelle extension World of Draenor. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc dernière attaque que je vais montrer là, c'est une attaque contre... c'est les légendes qui attaquent. Donc il a fait un 100% et plus 23 trophées. Donc voilà, on va vous montrer ça tout de suite. Oh! Là t'as fait fort quand même, GG. Donc, on accélère quand même. On voit ça tout de suite. Il y en a pas mal qui jouent archer barbare quand même. Moi franchement je trouve que c'est une bonne technique d'attaque ou de farm. Moi j'aime bien ces troupes. Et franchement t'avais un bon butin aussi. GG à toi en tout cas. Par contre, à vrai dire, lui... Enfin, Luc, il a fait le compte de mettre sa réserve ici parce que le mec il arrive, il l'a torpillé, c'est fini. Mais bon, tu l'as bien défoncé en tout cas, GG à toi. Voilà, on va accélérer un petit peu. Ouais. Franchement, GG à toi. Bon bah, franchement, je suis content de mes membres dans le clan, vous me faites vraiment plaisir, vos messages me touchent vraiment. Désolé si des fois je parle pas beaucoup dans le clan parce que à côté j'ai ma femme qui est enceinte. Je suis occupé entre elle et je peux pas trop faire des vidéos aussi. Je suis en train de jouer aussi à un jeu, je suis en train de le saigner le jeu. Je suis en train de le fusiller le jeu et j'ai ma femme qui est enceinte. Donc en ce moment je suis pas très 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 actif sur Clash of Clans, mais j'essaie d'être actif quand même, y a pas de soucis sur ça. Les vidéos, vous inquiétez pas, c'est prévu. Par contre, après quand... Et au fait, au passage, j'ai oublié de vous dire, c'est une fille que je vais avoir. Je suis vraiment content, c'est une petite fille. Et dit qu'elle va naître, je serai content, je serai heureux. Donc, voilà. Donc, GG à toi, les légendes, Paul et Marcus, pour vos attaques. Ça me fait vraiment plaisir de vous montrer les vidéos. Il n'y a pas de soucis, jamais eu l'occasion de donner une troupe. Tu peux l'occasion, mais j'ai déjà dit, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc mes troupes se forment, il n'y a pas de souci. Donc je voulais vous montrer un petit dernier truc avant de passer à autre chose. Salut, dédicace à toi Electro, j'ai lancé YouTube, t'es arrivé un peu trop tard, donc voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit dernier truc. C'est, comment dire, voilà. Ceux qui viennent dans le clan et qui attaquent pas, comme Bulldozer qui est là, il a encore deux attaques à faire. Il reste 4 heures de combat. Il a pas attaqué une seule fois. Carnage, pareil. Maxou, pareil. Vous voyez ce genre de membres que je peux pas trop garder au fur et à mesure. Ça passe une fois, ça passe deux fois, ça passe trois fois, mais après au bout de la quatrième fois, franchement, je suis obligé de kick. Tristan, c'est malheureux pour toi, mais il va falloir que bientôt, je pense qu'il va falloir que tu laisses ta place si tu bouges pas un peu tes fesses. C'est pas méchant, mais bon, je veux des membres actifs et qui attaquent quand même. Même si on est à 89-25, on aurait pu faire mieux. On aurait pu vraiment pu faire mieux. Deux attaques. Là, en total, il nous restait deux. Pff, voilà tout ce qui nous reste comme attaque. Il nous reste encore lui, Hug, Théo, Binouille qui sont pas très très actifs. Lucas, Razer, 3 étoiles. Tu t'es pris dans la tronche. Bien, GG. Voilà, il y a plein de petits lolos qui attaquent pas, donc franchement je vais pas tarder pareil à virer des gens qui sont vraiment pas actifs. Bichra, donc voilà. C'est ce genre de personnes que je fais remarquer, ceux qui attaquent, ceux qui préviennent, qui peuvent me dire ouais désolé je pourrais pas attaquer dans cette GDC parce que je serais pas là.
au moins qu'ils préviennent. Mais là, franchement, ça fait plusieurs UDC que je lance, plusieurs que ça marche. C'est pas... ça joue pas. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, donc on va finir d'améliorer ma mine, les mines. Tac, j'ai 3 mines, en construction pour celle à niveau 4, 5, pour celle à niveau 9 et pour celle à niveau 9 pareil. Donc bah on va attendre que ça se finisse, on va faire une petite ellipse et on se reprend bah, tout de suite après. Et sur ce les gars qui voulaient trop level 3. Et voilà. Donc bah à tout de suite les gars, sur ce je vous dis bisous. Donc voilà, mes améliorations sont terminées, donc comme vous pouvez le voir, là je suis à présent dans la mise à jour, enfin dans la mise à jour Noël. Juste avant vous avez vu que c'était pas Noël, là maintenant c'est Noël. Donc pour certains, donc hop, j'ai un cadeau, il me semble que normalement, théoriquement je suis plus sûr, je peux pas avoir, non faut que j'ai l'hôtel de ville niveau 7 pour pouvoir avoir un extract, une foreuse d'élixir noir. Donc c'est un cadeau, si vous en avez déjà, si vous êtes niveau 8, vous en aurez deux. C'est ça qui est bien, c'est un petit cadeau pour Noël. Donc je vais vous présenter un peu toutes les nouveautés qu'il y a. Donc on va à présent dire bonjour parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes à vrai dire. Donc on va leur dire encore une fois un petit coucou. Dites coucou à YouTube une deuxième fois. Et oui, dans la première partie j'ai fait dites coucou YouTube, mais là il y a des nouvelles personnes entre temps, il y a une mise à jour Noël, donc vous comprenez. Donc on va dire un petit coucou à YouTube. Voilà, un petit coucou à YouTube. Une deuxième fois, c'est pour Noël, on est pas mal. Donc je vais vous présenter quelques nouveautés pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que beaucoup de personnes ont pu lire dans les mises à jour. Quand vous avant d'installer une mise à jour, vous pouvez lire, si vous êtes sur Apple, vous pouvez lire les nouveautés qu'il va y avoir. Donc on va voir tout ça, coucou YouTube, je vais te donner des sorciers, vas-y, pourquoi pas, donne-moi des sorciers. Coucou YouTube. Voilà, donc je vais faire une petite demande comme ça. Par contre, je vais récupérer mes trucs. Voilà, je savais même pas. Donc, coucou YouTube. Bien joué, Johan. Dédicace à vous. Bon, ça va se présenter en plusieurs parties cette deuxième petite vidéo. Donc, je vais demander des troupes déjà. Bonne troupe, voilà. Donc. Pour ceux qui ne savent pas, donc là je vais vous montrer un peu ça, mais ne pleurez pas, c'est normal, on est tombé contre des Russes et franchement ils nous ont pas fait de cadeau, mais pas du tout, on s'est pris une fessée. Donc merci à vous Winner, CrazyX, j'ai pas vu les autres, désolé. Donc là, like la vidéo, coucou YouTube, dédicace à toi Ramzy, Johan, Paul, et puis merci Mister Xinox, voilà. Et tout le monde, après je ferai un petit tour, je vais montrer à peu près les 5 premiers du clan. Donc voilà, on s'est pris un 28-90, mais c'est normal, on est tombé contre des Russes, eux franchement ils rigolent pas. Donc de toute façon ça arrive de temps en temps, faut bien se prendre des fessées, et c'est pas le problème. Donc le truc c'est, je sais pas si, voilà. Résultat. Bon, on va faire un truc. On va déclarer une guerre. On va faire une petite déclaration de guerre. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Coucou, vous abonnez à YouPrisX, merci tueur chez Six, abonnez-vous. Merci à vous les gars, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci pour votre soutien. Je suis actuellement, il me semble, si je dis pas de bêtises, je suis actuellement à 1712 abonnés. Je vois que ça me crame vite. Je voudrais bien atteindre les 1800 abonnés avant Noël. Je compte sur vous pour essayer de faire ça, de faire un peu de pub, de partager mes vidéos, de dire du bien dessus. Bon. Je peux pas plaire, mes vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais bon. Je voudrais bien atteindre les 1800 pour Noël. Franchement, pour Noël, ça serait pas mal. Et je vais essayer de faire une petite vidéo spéciale Noël, franchement, si je peux. Ça serait pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir, j'attends que ça recherche. Et après, je vous montrerai tout ça. Donc, pour les nouveautés, vous rappelez qu'avant la mise à jour, quand on se faisait attaquer par des personnes, et quand on allumait le jeu, on voyait qu'on pouvait pas, fallait attendre 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, fallait attendre que la personne qui vous attaque ait fini avant de pouvoir rentrer dans votre village. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez rentrer directement dans le jeu et voir le direct live de la personne qui vous attaque. Vous pouvez le voir à l'instant même où la personne vous attaque, le regarder. Vous n'êtes plus obligé d'attendre 2 minutes 30 ou 1 minute 30. Ça, franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment apprécié. Donc, il me semble qu'il y a une petite nouveauté. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai même pas eu besoin de rechercher une guerre.
Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a village principal. Donc là, vous pouvez créer un village actif. Là, c'est vide. Donc là, il me faut l'hôtel de ville niveau 7 pour pouvoir faire l'autre. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc moi, ce que j'ai à peu près compris, c'est que là, vous pouvez faire un village farm, un village hybride ou un village défense, comme vous voulez. Donc après, le jour, si une journée vous voulez passer en mode farming, vous remettez votre village farming. Si un jour vous voulez passer en mode hybride, vous passez votre village en mode hybride. Et si un jour vous voulez passer en mode défense, vous cliquez, et là, vous modifiez le plan, vous voilà, et vous rentrez dans votre village. Vous pouvez copier le plan, tac tac de partout. Par exemple, si je fais copier le plan, je le copie ici, voilà, il est copié. Et si j'ai envie de modifier le plan, je modifie et je recommence. Voilà. Ça, c'est pas le problème, c'est nickel. Base de guerre, bah, c'est à peu près le même principe. Vous pouvez créer une grosse, enfin, comment dire, une base de guerre hybride, défense, farming. Enfin, farming, ça va pas servir beaucoup. Mais bon, modifiez vos défenses, voir la base, enfin, voir quelle base est la meilleure pour vous. Entre ces, par exemple, si un jour vous faites une guerre de clan et que vous voyez cette guerre, elle est mieux compatible avec ce village, que lui il est pas compatible, bah, vous prenez ce village. Ça, vous voyez le délire un petit peu. C'est franchement, ils ont fait un bon, une belle mise à jour sur tout ça. Et pour ceux qui ont un HDV7, et ben au lieu d'attendre tout ça, vous avez la fourreuse et vous aurez le réservoir d'élixir en même temps. Et vous donne tout en même temps. Vous voyez, c'est pas négligeable. Et si vous êtes HDV8, et ben vous aurez deux foreuses et le réservoir d'élixir noir, ce qui est plutôt pas mal. Ce que je vais vous montrer d'ailleurs, c'est que moi, hop, clan. Moi je suis où? Voilà, j'ai totalement changé mon. Ça c'est mon gros compte, c'est pas mon compte avec lequel je fais des vidéos. Ça c'est mon gros compte. Franchement, je suis plutôt pas mal. Donc là, je suis en train d'améliorer. J'ai rajouté mes murs, je suis en train d'améliorer tout ce qui est nouveau avant d'améliorer tout le reste. Donc j'ai eu une Tesla, il me semble, je sais plus où je l'ai mis. Franchement, il faut que je m'y habitue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, une foreuse d'élixir noir niveau 1, et celle-là que j'ai eu. Je suis vraiment content. Donc je suis vraiment pas mal. Donc ensuite, ce que j'ai eu de nouveau, j'ai eu HDV8, j'ai eu un pied squelettique, quoi, qui est pas mal. Là, je suis en train d'améliorer mon mortier niveau 4. Je suis en train d'améliorer. Ça, c'est tout ce que j'ai de nouveau. Je finis d'améliorer ce que j'ai de nouveau et après, j'entame sur tout le reste. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près mon village, il est tout beau. Par contre, le sapin, il me semble, si ça fait comme un dernier, plus vous le laissez longtemps, plus après, quand vous allez le péter, vous aurez beaucoup d'élixir. Si je ne dis pas de conneries. Pour l'instant, je laisse, il fait joli, donc me dites pas casse le sapin. Non, je ne casse pas le sapin. Donc voilà, vous inquiétez pas, je regarde vos commentaires. Et pour ceux qui me disent, oui, j'ai des gemmes à casser, mais des fois, je laisse mes gemmes. J'aime bien faire joli ma base, enfin rendre ma base jolie. Si je dis base jolie, rendre jolie base, ça pas très français. Donc voilà, donc ça va falloir que j'y pète, mais bon, soit ça s'enlève en deux, vous pourrez récupérer des gemmes. Donc voilà à peu près de ce qui est de ce village. Après, franchement, il y a un truc qu'ils ont enlevé que je suis vraiment déçu, c'est comme vous pouvez le voir, avant on pouvait améliorer avec de l'élixir et de l'or. Mais ça, ils ont enlevé, maintenant ils mettent plus que de l'or. Et franchement, je suis vraiment déçu pour, enfin, de ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû laisser l'élixir parce que franchement, après c'est très cher d'améliorer les murs. Avant, par exemple, là vous voyez, vous pouvez améliorer en or et à côté vous avez amélioré en élixir. Mais ça y est plus. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Plus on va. Après, c'est. Franchement, plus votre village est haut, plus vous allez vraiment attendre. C'est pour ça qu'après, plus mon village va être haut, plus les vidéos vont mettre plus de temps à sortir. Mais bon. C'est le jeu, c'est comme ça, je peux pas accélérer. Moi, franchement. Voilà, je vais pas mettre mes sous dans ce jeu et à accélérer. Non. Ça, sur ça, je suis pas comme ça. J'ai autre chose à acheter. J'ai de la bouffe, je vais avoir un gosse à m'en occuper. Donc, je vais pouvoir me payer des gemmes à volonté comme je veux. Donc, voilà. Donc moi je fais avec, c'est comme ça me fait passer le temps, j'attends, quand je suis en salle d'attente, ce jeu il est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va... Hop, c'est moi qui saute pour des cubes, pour des pièces. Franchement, voilà. Donc pour ceux qui savent pas, qui veulent regarder des vidéos, pour ceux qui veulent être traînés dans la vidéo, enfin dans le clan, pour être traîné, c'est simple. Il suffit juste de donner 100 gemmes. De donner 100 gemmes. Oui, ça serait pas mal 100 gemmes. Je serais riche à ce tour-là. Non, il suffit juste de donner 100 troupes et vous êtes aîné. Par contre, chef adjoint, c'est particulier parce que c'est quand je suis pas là, et ben il y a une autre personne qui s'en occupe. Mais pour ça, faut vraiment que j'ai confiance en vous. Faut vraiment pas qu'il y ait un certain. Il y avait un certain. Un certain membre, si je peux dire,
qui était que j'avais mis chef adjoint mais qui faisait vraiment n'importe quoi, qui virait, qui... Non, ça je parle de chef adjoint qui vire pour rien, avant faut en parler, faut me dire ce qu'il en est, pourquoi il a fait ça, après moi je lui parle, y a pas de souci. Mais on vire pas quelqu'un comme ça, non. Là, je suis désolé, c'est pour ça que chef adjoint pour l'instant j'attends de voir les personnes qui sont vraiment en qui je peux avoir confiance et qui peuvent bien se tenir. Voilà. Donc Crazy X, tu peux me faire une dédicace s'il te plaît? Bah dédicace à toi Crazy X Kings. Donc winner, je vous fais tous une dédicace à tout le monde, il n'y a pas de souci sur ça, je suis pas du genre à pas faire dédicace, à me laisser tout seul. Donc voilà, donc pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc je vais vous montrer les 5 premiers du clan. Alors, ça va être simple. 5 premiers du clan. Ah, c'est con, je fais pas partie du 5ème. C'est pas très grave. Donc on a winner. Winner, je vais pas vous dire les bases qu'il faut faire. Je vais juste vous donner quelques principes. Leur rendre visite, encore une fois. Je fais très très vite parce que sinon la vidéo aurait duré 1h30. Donc je sais pas ce que tu as fait, mais GG à toi. Tu as fait un beau sapin. Joyeux Noël à toi en tout cas. C'est très original ce que tu as fait. Il y a marqué quoi? Hôtel. C'est bien, c'est chez Lire, c'est ça? Hôtel? C'est ça. Hôtel. Donc, GG à toi, c'est joli. Bon, j'espère que ça... franchement, c'est original ce que tu as fait, c'est joli, j'aime bien. Donc, dédicace à toi. Voilà, ton petit village, 1834 trophées. Tu es bien. Franchement... GG à toi, ton village il est très joli. Donc, on va rentrer, on va passer au deuxième, très très vite. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes au deuxième? Hop, clan. Clan, Maori. Rendre visite à Maori. Alors toi, tu t'es bien fait exploser à ce que je vois, mais bon. Tu as un joli village vide, c'est pas mal. Donc bah voilà son village, il est complètement explosé, il reste juste un barbare debout. Donc je peux pas montrer ce que tu as fait, donc là a priori la château de clan qui est au milieu, là il y avait l'hôtel de ville, là il y avait les réserves d'or. Donc après ouais là franchement t'es pas mal réservé, Xia, t'as tout mis au milieu. Là t'as mis quoi? Tour de sorcier. Bon, c'est pas mal. Donc 1831 ce que j'ai vu il me semble en trophée. Si je n'ai pas dit de bêtises. Hop, clan, tu avais 1832, pardon, excuse-moi. Alors, le destructeur, hop, dédicace à toi, rendre visite. Qui est-ce que tu nous proposes? Alors, déjà, ouais, tes ressources là, franchement, tes réserves d'or, tu devrais les éloigner parce que le mec, franchement, il peut te piller comme il a envie. Après, c'est toi qui vois, moi, je vais pas te forcer à faire ce. Voilà. Donc, full cochon. GG à toi. Donc après ouais franchement ton village ça va à peu près. Voilà, bon je vais pas vous dire ce qu'il faut faire, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir votre village. C'est vous qui décidez, je suis pas. Moi franchement je vous dis pas comment faut faire, parce que moi chacun fait son truc. Voilà. Donc GG à toi. Dédicace à toi, y'a pas de soucis. Donc. Clan, dans clan, tu avais 1627 trophées, c'est pas mal. Ramsey, rendre visite. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, ça a lagué? Non. Donc voilà le petit village Ramsey, 1599 trophées, or 3, tu es pas mal. Donc, toi, tes réserves sont pas. Sont, ça va, nickel, ils sont pas au bord du bord, mais ça va. Hop, réservoir d'élixir 11. Ouais, bon, c'est pas mal. Bon, ça va. De toute façon, je peux, comme je vous ai dit, moi, je peux pas vous juger sur votre village. Quand vous me demandez est-ce que mon village est bien, moi, franchement, tous les villages sont bien. Après, c'est à vous de voir comment ça se déroule. Donc, vite fait, je ramasse ça. Et le dernier pour la route. Ramsey et le cinquième, Charles. Charles il joue pas beaucoup franchement. Je sens que toi, ça fait deux fois que tu reviens, je sens que tu vas pas. Bon on va le montrer quand même, c'est pas très grave. Donc toi aussi tu as été rasé, hein, ce que je vois. Bah, encore quelques trucs debout, pas mal. Donc voilà, bah voilà son petit village à Ramsey. Charles, pardon, excusez-moi. 1539
Il est hors gris. voilà, il est gris. Bon, c'est pas le problème. Donc voilà, bon, dédicace à tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, je suis 3 sur 3 ouvriers, alors là, je suis à 9. Et là, j'ai montré là, oui, 9. Et celui-là, 9. Et celui-là, j'ai pas regardé par contre, 7. Voilà. Donc, on va améliorer celui-là, tranquillou. Celui-là, je suis à 8. On va améliorer celui-là. Voilà. Il nous en reste un. Je peux pas améliorer. Tête de ville niveau 6. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Les clans. Non, les camps, on peut pas les améliorer. Donc, on va améliorer. Enfin, ça, c'est à combien? 9. Donc, on va finir d'améliorer. On va finir les canons, je pense. Et le tour de sorcier, allez hop. Petit tour de sorcier. Dans une journée. Vous voyez pourquoi après, je peux pas. Une journée, après, ça monte à 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, je peux pas trop. Je peux pas trop faire de vidéos tout le temps, 24 sur Clash of Clans, c'est pas possible. Donc, on va faire une petite attaque et après, je pense que pour cette vidéo, on se laissera là et après, on essaiera d'entamer un épisode 9. Non, ça va être le 7ème, il me semble. Non, 8, je sais plus. Attends, je regarde vite fait. Ça va être. Ouais, celui-là est en train de lancer celui 8. Après, on essaiera de tourner le 9. Nickel. Donc, on va faire une petite attaque pour terminer cette vidéo. Comme ça, on finira sur une petite dédicace. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît. Oui, oui, je te l'ai fait. Moi aussi, regarde bien mon gros sapin. Oui, Prisix, t'as fait la vidéo. Donc voilà. Lieu défoncé, un HDV full archer. Nickel. GG, monte le replay. Donc, oui. Je vais voir si je peux pas vous montrer quelques replays. Donc, une défense. Ouais, le mec, il m'a bien pilé. Alors, je dois attendre. Ok, tu dois attendre, c'est normal. Donc avant de faire un truc, on a l'attaque. Oh putain, ça lag. Bon, on va faire une attaque avant. On va attaquer tout ça, trouver une partie, bouclier actif. On l'enlève. Donc, on va essayer de... Oh non, quel con. Bon, on capitule, on s'en fout. Je perds des trophées, c'est pas grave, je suis vraiment désolé, j'ai fait vraiment un fake click. Oh là là, ça arrive, ça arrive. Bon, je suis repassé en bronze. Alors, suivant, on va pas faire. Bon, va peut-être falloir que bientôt je monte en village parce que j'en ai marre de me taper des petits villages à 366 ressources. Regardez-moi ces petites ressources là. On va essayer de monter en trophée un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? On va monter en trophée. Donc avant que je tourne la prochaine vidéo, franchement, on va piller celui-là. 13 trophées, c'est pas beaucoup. Avant que je commence la prochaine vidéo, j'essaierai d'être en argent 2 ou 1. Et là, je commenterai la deuxième vidéo. Enfin, la vidéo épisode 9. Donc on va faire celui-là, on va essayer de pas faillir tout ça. Donc on va, hop, casser le mortier, enfin... Allez. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac. On lance tout ça. Allez. Là, on y va tranquillou. Allez. Pile tout ça. Non, là, il a pas éclaté. Bon, j'en vois tout de toute façon. Allez. On finit tout ça tranquillou, un petit trophée. Finis-le moi à 100% s'il te plaît. Franchement, il y a des trucs, des fois ça m'énerve. Les barbares, ils vont fou. Regarde, qu'est-ce qu'ils vont faire ça au fond avant de finir la ville? Franchement, ça m'énerve. Mais bon, vraiment que c'est un petit village. Franchement, l'intelligence artificielle dans ce jeu, c'est pas vraiment ça. Hein. Bon. Allez, 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 allez. Fini, please. Oh, et ben ils ont volé, ils ont voulu faire le petit Père Noël. Allez, 93%, t'as fini là-bas. Oh putain, il y a encore la cabane en bas. Oh, c'est bon, allez. Pourquoi tout le monde vous allez là? Pourquoi il n'y en a pas quelques-uns qui vont taper celui-là d'en haut de droite? Voilà. Donc, allez, l'archer, vas-y, on va défoncer tout ça. Tu es vraiment pas mal.
GG, tu as réussi. Voilà, donc 26 trophées. Donc j'espère que je vais repasser en... Non, je peux me faire repasser en argent quand même. Voilà, merci bien. Donc avant la prochaine vidéo, j'essaierai de passer en argent 2 ou 1, on verra comment ça se passe. Essayer d'avancer de mon côté à peu près, parce qu'on va pas rester, on va pas stagner sur... on va pas stagner ici. Ça va faire longtemps que je suis là. Donc je vais essayer d'avancer de mon côté et après on essaiera... j'essaierai de lancer la vidéo aussi quand mes murs seront en or. Pourquoi pas essayer quand mes murs seront en or, non? Épisode 9. Je pense que franchement aussi j'ai un truc à vous dire. Si je ne fais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, c'est normal. Ma femme, Madame Prisic, va bientôt accoucher. Donc je vais bientôt avoir ma... Et c'est une petite fille, pour ceux qui ne savent pas. Je sais pas si je l'ai dit dans la première partie. Bon, c'est pas grave. C'est une petite fille. Donc voilà. Donc je vais... Ça va être chaud pour pouvoir faire beaucoup de vidéos. Ne vous inquiétez pas. Si vous me suivez sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram et sur Snapchat, je suis toujours actif. Il n'y a pas de souci sur ça. Franchement, venez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et sur Snapchat, il n'y a pas de soucis sur ça. Franchement, vous êtes le bienvenu, je vous réponds, je vous fais des photos, je vous fais des vidéos. Il n'y a pas de problème. Par contre, sur les commentaires YouTube, je réponds pas tout le temps parce que sinon, je m'en sors vraiment plus. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo épisode 8. Je pense pas qu'elle va durer longtemps, mais j'essaierai de vous faire une vidéo spéciale pour Noël. Je vais vraiment essayer de trouver une idée. Franchement, si vous avez des idées pour la vidéo spéciale Noël, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux et sur les commentaires de cette vidéo. Il n'y a pas de problème, je lirai tout ça. Donc aussi, partagez-la un max. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. Essayez, comme je vous ai dit au début de la... essayez de me faire monter à 1800 avant Noël. Ça sera le plus beau cadeau de Noël que j'ai pour vous. Voilà. Donc... En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est grâce à vous, j'en suis là en ce moment même, je suis vraiment très content, tous les jours je regarde ma chaîne, putain, les abonnés ils montent, franchement, je suis vraiment content. YouTube, c'est grâce à vous, j'en suis là, je vais voir ma fille, franchement, je suis vraiment heureux, je suis vraiment content d'être avec vous, ça me fait vraiment plaisir de vous parler tous les jours avec vous, là, comme ça, je vous parle. Donc voilà, moi j'ai la flemme, oui, tu as la flemme. J'ai qu'une Valkyrie, un sorcier archer. On va finir la vidéo tranquillou, on va se poser. Prisi. Non, Prisi, ça s'écrit pas comme ça. Encore, c'est pas mon nom. Demande, j'ai des bonnes troupes sur moi. Je viens de demander, il me reste 42 secondes avant de demander mon ami. Demande des troupes, car avant j'étais dans un gros clan. Et je cherche pas que mon clan soit un très gros clan, je cherche à passer un bon moment avec vous. Franchement aussi pour ceux qui rage quittent parce qu'on perd des clans, franchement c'est inutile. Ça sert vraiment à rien des fois, c'est obligé qu'on perde. Donc voilà, vous pouvez modifier votre base de guerre. Voilà. Donc voilà, en tout cas franchement je suis vraiment heureux d'avoir passé une belle année 2014 avec, à vos côtés. On va essayer de faire en sorte que l'année 2015 soit vraiment terrible avec vous, avec ma fille, avec ma femme, avec ma nouvelle vie qui va arriver. Franchement, je suis vraiment content. Oh là là, quel désespoir. Donc franchement, mon pote... Voilà. Donc on va se terminer la vidéo maintenant. Donc j'essaierai de faire en sorte aussi pour l'année... En 2015, hein, si pas l'année 2014, pour les prochaines vidéos... Vous me direz dans les commentaires aussi, écoutez bien, si vous êtes chaud, que je fasse une vidéo maintenant, à présent, après, à partir de l'épisode 9, parce que franchement, l'épisode 9, je la tournerai, sans vous mentir, je la tournerai en 2015, 2014, là, c'est la dernière vidéo que je passe avec vous, après, bah, je ferai une vidéo spéciale pour Noël et une vidéo spéciale pour le jour de l'an, qui a rien à voir avec Clash of Clans, mais Clash of Clans, pour cette année, c'est terminé, on va finir en beauté avec cette vidéo. Donc l'année 2014 serait bien passée. Et en 2015, si vous êtes chaud, je ferai les vidéos Clash of Clans avec ma tête, avec en face commentary, si ça vous intéresse. Si vous êtes vraiment intéressé, dites-le moi, franchement, il n'y a pas de souci, je serais vraiment ravi de faire ces vidéos. Et l'année 2015, on essaiera de faire des lives sur Clash of Clans. Des lives sur Twitch, des lives sur Clash of Clans. Et après, quand j'aurai fini ma base... Ça va être le principe, j'essaierai d'y penser. Quand je ferai un live sur Clash of Clans, on essaiera de faire tout ça en sorte. On parlera, je parlerai avec vous.
Après, pendant que mon village se forme, on essaiera de passer sur un autre jeu, genre du World of Warcraft, du LOL, plein d'autres jeux. Enfin, vous me direz ce qui vous intéresse, y a pas de souci, il y aura des lives. On essaiera de faire un peu de live de temps en temps, on essaiera de faire des vidéos Clash of Clans, Face Commentary si vous êtes chaud. Donc voilà, donc après n'hésitez pas à venir me rejoindre encore une fois, je me répète, je vais même répéter parce que j'aime bien que ça rentre dans votre tête. Une petite. Vous venez vous abonner sur ma page Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc il me l'avait dit, Prisi, de quoi j'avais dit quoi? Vous savez que Prisi, c'est vrai, je suis un plus gros flamadeur de la Terre. C'est vrai, vous savez que Prisix. MDR, il m'avait dit Prisix. C'était vraiment bête comme ça. Bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, mon petit village aura bien. En 8 vidéos, aura bien avancé quand même. Même si je parle beaucoup. Je sais que je parle beaucoup, je me répète beaucoup, mais franchement, voilà, je suis content. Je suis vraiment content d'être avec vous. Donc, pour finir la vidéo, on va visionner tout ça. On va visionner sa petite défaite, qui est vraiment pas mal. Donc, je sais pas, ouais, donc il était défenseur. Donc, non, il est en train d'attaquer là. Donc on va accélérer, allez, on voit. Donc voilà, il s'est pris à moins 26 ans à la tronche, c'est plutôt pas mal. Bon, ça arrive de temps en temps, on peut pas gagner tout le temps. Bon, sur ce les amis, moi je vous dis vraiment à la prochaine, on essaiera, je... Venez sur Facebook, on se marre un peu, je vous fais des vidéos H24, on parle ensemble, il n'y a pas de soucis sur ça. Et bah on se retrouve bah, sur le jeu sur Clash of Clans, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre mon clan s'il n'est pas plein. Et franchement, bah je vous dis encore beaucoup, mille merci. Franchement, vous êtes restés comme vous êtes, franchement, ne changez pas. Et je vous dis bah l'année prochaine pour la prochaine vidéo, épisode 9 de Clash of Clans, celle-là, franchement, voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, je vous fais le plein de poutou 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 partout, franchement c'est l'essentiel. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez été sages pour que le Père Noël passe. J'espère que vous aurez plein de cadeaux, que vous serez gâtés, que vous aurez des tablettes pour mieux jouer à Clash of Clans, des iPhones, il y a... voilà. Sur ce les amis, moi je vous dis, je vous souhaite un très joyeux Noël, un bon réveillon, passez des bons moments avec votre famille, je vous fais plein de bisous partout, prenez soin de vous, c'est l'essentiel, et on se dit à... Et on se dit en 2015 pour la prochaine vidéo 2009, pour 2009, ok, on sort pour l'épisode 9, et entre temps on fera une vidéo spéciale pour Noël, le jour de l'an. Allez sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, et peace à tous, prenez soin de vous.